Alléluia. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Vous tous qui êtes là et ceux qui nous suivent dans les médias, nous sommes aujourd'hui les jours du Seigneur. Et nous sommes dans la joie d'être là. Le psalmiste disait, je suis dans la joie quand on me dit de partir dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Puisque c'est dans cette maison où nous trouvons tout. Tu es malade, c'est dans cette maison qui est comme la source, la piscine de Bethesda où on vient trouver la guérison. Tu as un problème, c'est dans cette maison que tu viens trouver l'avocat qui ne te demandera même pas de payer de l'argent comme les avocats de ce monde, qui ne te donnera pas de te vider, mais c'est lui qui s'est donné pour toi, qui te donne, qui entre dans ton problème, on a dit, un jour il s'élève. Un jour, il s'élève, il entre dans ton problème sans te demander de payer quoi que ce soit. Lui-même, il a déjà payé de son sang. Amen. Amen. Dans cette maison, on est dans la joie parce que les faibles peuvent se dire, je suis fort. Les pauvres peuvent se dire, je suis riche. Parce que des riches qu'il était, il a porté la couronne d'épines pour que toi et moi, nous serons appelés riches. Amen. Il s'est donné pour nous. Nous sommes dans la joie. Je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, Seigneur, je suis là devant toi, mon Dieu. Je suis là, Seigneur, simple, mon Dieu. Je ne suis rien devant toi. Mais je demande, Dieu éternel, que toi et toi seul, tu puisses m'utiliser, mon Dieu, comme simple canal de transmission, Seigneur, par lequel tu veux parler à ton peuple. Seigneur, que tu disposes encore les cœurs de ton peuple, mon Dieu, afin que chacun reçoive ce qu'il a. Ce que tu as préparé pour lui, ce qu'il attend de toi. Nous sommes dans ce mois, Dieu éternel, le mois que moi j'ai appelé le mois de la foi. Parce que tu nous as montré, et Ben qui vient de passer, il a dit, la foi ne fait que commencer. Oh Seigneur de gloire, nous sommes dans ce mois de la foi, nous sommes dans cette année du bon berger. Et nous sommes tes brebis, Dieu éternel. Utilise-moi puissamment. Parce que je veux, Dieu éternel, que nous comprenions cette notion de la toute-puissance de Dieu, que tu as commencé à manifester. Notre maman était là, tu as montré ta toute-puissance. Notre papa était là, tu as montré que rien que par la foi, nous obtenons tout. C'est pourquoi, Seigneur, en ce moment, je vais parler à ton peuple, utilise-moi. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Peuple de Dieu, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous venons encore pour parler à notre Dieu. Nous venons encore pour dire merci à notre Dieu. Nous venons encore devant son trône. Lui qui nous a convoqués. Lui qui nous a appelés. Nous ne sommes rien devant lui. Il peut tout faire sans nous. Mais il a besoin de nous. Il nous a appelés. C'est nous qui avons besoin de notre Dieu. Mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Nous sommes venus dans la maison du repos de l'Éternel. Parce que le repos en présence de Dieu, c'est un bon repos. Si tu te reposes sans Dieu, comme notre fils, maman, il est là, tu peux venir pour m'aider à traduire pour les autres. Si tu te reposes sans Dieu, ce n'est pas le bon repos parce que tu peux connaître des gaffes. Notre maman nous a parlé ici, vous connaissez, nous connaissons tous l'histoire du roi David. Lui qui avait remporté des guerres, qui était si apprécié. Mais quand il est resté dans le repos, le repos qui n'est pas le repos de Dieu, il est resté dans le repos physique que lui-même avait choisi. En se mettant sur le balcon, il a découvert une femme qui n'était pas sa femme, qui s'est lavée. Il a envié cette femme. Et voilà les gaffes qui nous arrivent quand nous ne sommes pas avec Dieu. Dans nos convoitises,
En enviant cette femme, il a fait tuer son mari. Pour prendre la femme. C'est ça que nous disons. Ben vient de le dire. Maman nous a parlé la fois passée. On est en vacances, mais que nos vacances soient les vacances physiques. Mais spirituellement, soyons éveillés. Ezali lolenge mama utai kolobela biso kala mingi te pe ben auti kolobela biso toza na bopemi o ya nzoto kasi ya molimo te. Amen. Amen. Voilà, nous sommes là, nous continuons à parler de la foi. Toza kokoba kana kolobela tina gondima. Nous sommes dans cette année, c'est l'année du bon berger. Mvula o ezali mvula o ya mobateli malamu. Quand le bon berger est là pour nous, nous ne manquerons de rien. Il l'a dit, il l'a fait, parce qu'il est fidèle. Et je pense que chacun de nous est conscient de ce qu'il a dit. Et nous sommes tous convaincus de cela. Rien que la foi, tout nous l'avons par la foi et rien que par la foi. Hébreux 11 nous le montre et dit la foi. La foi vient de ce que l'on enfin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on voit et une démonstration de ce qu'on voit, de ce qu'on espère. Mais ici, il nous a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons être agréables à notre Dieu. Nous devons faire plaisir à notre Dieu. Et pas aux hommes. Parce qu'aux hommes, tu peux tromper. Tu peux dire, je t'aime, alors que tu ne l'aimes pas. Tu lui dis tu l'aimes, mais dans le cœur, ce qui est dans le cœur, c'est autre chose. Mais notre Dieu devant qui on ne veut pas tromper, parce que il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui a formé nos cœurs à nous tous. Il connaît nos pensées. Il connaît nos sentiments. Il connaît notre intelligence. Plus que quiconque, nous ne pouvons rien lui cacher. C'est pourquoi, devant Dieu, il n'y a que notre foi. Il n'y a que notre foi. Prépare ton cœur pour recevoir ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Quand tu viens avec ton cœur, devant Dieu, nous disons, nous ne venons pas avec nos mots. Nous ne venons pas avec nos paroles. Mais Seigneur, nous venons avec notre cœur. Que les dieux reçoivent favorablement les paroles de nos cœurs. Notre prière que nous allons lui adresser en ce jour. La foi, c'est une ferme assurance. Quand tu viens ici, tu as l'assurance que Dieu va te donner. Dieu a fait la promesse. Abraham a cru à celui qui a fait la promesse. Il n'a pas cru à la promesse. Il a dit, cette promesse-là va s'accomplir. Pourquoi il avait cette ferme assurance? Parce qu'il avait la foi que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce n'est pas la promesse, ce n'est pas quoi. Tout ce que Dieu a dit et l'assurance qu'il le fera. Et par la foi, quand tu as cette assurance, ta pratique doit être la démonstration des choses que tu ne vois pas. Ta pratique doit être la démonstration des choses promises que tu n'as pas encore vues. Parce que quand Dieu a promis, c'est sûr qu'il va réaliser. Nous avons dit, Dieu fera.
Il fera ce qu'il a promis. Il réalisera les promesses. Il accomplira ce qu'il a donné, ce qu'il a promis. Donc toi, sois seulement dans la foi. Il avait dit à Marthe, crois seulement. N'étais-je pas dit que je suis la résurrection? Parce que Marthe disait, dans le temps à venir, je sais, si tu étais venu, mon frère n'allait pas mourir. Mais il lui a dit, Marthe, n'étais-je pas dit que je suis la résurrection? Que celui qui croit en moi, même s'il est mort, il aura la vie. Et Marthe dira, ça sera à la fin du monde, à la résurrection du mort. Mais Jésus lui a dit, je suis la résurrection, je suis la vie. C'est-à-dire, ici et maintenant. Amen. Amen. Et il suffit seulement de croire. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta position. Tout dépend de comment tu marches. Comment tu regardes le Seigneur. Voilà ici Genèse 17 qu'on vient de nous lire. Il a dit à Abraham. Il avait déjà parlé à Abraham avant. Mais dans Genèse 17, qu'est-ce qu'il lui dit? Marche devant moi. De manière irréprochable. Ce matin, nous nous regardons. Chacun rentre en lui-même et se demande comment il marche devant l'Éternel. Si les promesses tardent, attends-les en silence. Mais attends-toi à Dieu. Il est le secours. C'est un refuge. On me lit dans le psaume 46, il nous dit, il est le refuge. Il est un appui. Et il est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Amen. 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 Quel que soit ton cas, attends-toi à Dieu. Et la foi dans la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est inséparable de sa parole. Quand on dit parole de Dieu, tu vois le Dieu puissant. Tu vois la toute puissance. Moi, quand j'ai pris, quand maman m'avait demandé de venir intervenir aujourd'hui, dit, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je peux dire au peuple de Dieu? Mais quand je revois depuis le 1er juillet, quand je vois tout ce qui s'est passé, je me dis, nous sommes toujours en train de marcher dans ce mois de la foi. Je me suis dit, nous allons parler de la toute-puissance de la foi. La toute-puissance de la foi. La toute-puissance de la prière. Parce que pour manifester ta foi en Dieu, tu communiques à ton Dieu par ta prière. C'est pourquoi on dit, en vacances pour le corps, mais pas pour l'esprit. Que ton esprit soit vigilant, que ton esprit soit attaché à Dieu. Si tu crois aujourd'hui que c'est Dieu en qui nous avons placé la confiance et le rémunérateur, il est ton rémunérateur aujourd'hui. Il est ton rémunérateur aujourd'hui. Il est là pour te rémunérer. Ne regarde pas à ce qui est passé. Esaïe nous dit, ne pensez pas aux choses anciennes. Ne regarde pas ce qui est déjà passé. Mais c'est un Dieu qui crée le futur. C'est un Dieu qui crée ton avenir. Regarde à lui, tu seras sauvé. Aujourd'hui, comme tu es là, regarde au Seigneur. Dis que les paniers circulent. Si les uns ont déjà eu, depuis qu'on a commencé, si depuis les premiers et les deux, on a déjà montré des témoignages. Aujourd'hui, ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là pour toi et toi seul. Il va faire ce que tu avais réalisé. Ce que tu avais promis, tu l'auras aujourd'hui. Comment peux-tu vraiment exprimer cette foi? Comment peux-tu obtenir ce que Dieu t'a promis? Il faut être agréable. C'est pourquoi il nous dit, dans Romains 12 au verset 2, notre Dieu nous dit,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait? Il faut discerner la volonté de Dieu. Et comment saura-t-il la volonté de Dieu si tu n'es pas en communion avec ces dieux-là? Comment peux-tu discerner la volonté de Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu? Comment peux-tu discerner la volonté de Dieu? Oh, si tu n'es pas avec l'Esprit de Dieu. Parce que sa parole nous dit que dans l'homme, c'est l'Esprit. Ce n'est pas cette enveloppe de la chair. Nous nous dépensons beaucoup pour la chair. Nous faisons beaucoup pour la chair. Mais retournons à nous et pensons à l'Esprit de Dieu. Ici, il a été dit, Jésus a dit, ne me suivez pas seulement pour les poissons, ne me suivez pas seulement pour le pain, mais pour votre esprit. Nous devons suivre Dieu pour l'esprit. Et si nous attachons à Dieu, par notre esprit, c'est à ce moment-là que nous serons agréables. Et c'est ainsi, quand il a dit à Moïse, à Abraham de marcher de manière irréprochable, nous pouvons dire, ah, ça c'était pour l'Ancien Testament, parce que là on dit toujours, l'Esprit n'était pas en eux, l'Esprit de Dieu n'était pas en eux. Mais quand Dieu voulait les utiliser, il mettait en eux l'Esprit et ils agissaient. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Par la mort de Jésus, par l'œuvre achevée de la croix, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il a dit dans Jean 1 au verset 12, il a dit, tous ceux qui ont cru en lui, il a fait de les enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous avons son esprit en nous. Nous agissons selon l'esprit. Mais il faut alors que nous ne nous conformions pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est tout ce qui a été dit à Abraham. Marcher de manière irréprochable. Nous serons irréprochables si nous marchons selon la parole de Dieu. Si nous connaissons ses commandements, si nous avons sa foi, mettons notre foi en Dieu, c'est à ce moment-là que nous marcherons selon sa volonté. Mettons notre foi en Dieu. C'est à ce moment-là que nous pourrons savoir quelle est sa volonté. La volonté de notre Dieu. Nous venons de prier ici. La volonté de notre Dieu. Et qu'il ne se perde aucun des enfants qu'il a donné. Aucun des enfants pour qui il est allé mourir à la croix. Avant de partir, il a prié. La prière sacerdotale dans Jean 17. Il a dit, Seigneur, qu'il soit un comme nous sommes un. Dieu a prié pour l'unité. Jésus a prié pour l'unité des chrétiens, l'unité de ses enfants, l'unité de tous ceux qui se sont donnés à lui. Amen. Amen. Jésus a prié. Il a dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour que les brebis égarées soient retrouvé. Je suis venu pour les brebis égarées de la tribu d'Israël. Donc la volonté de Dieu ici, qu'il nous demande, toi et moi, il a fait des pierres pécheurs d'hommes. Toi et moi, il nous a fait les pécheurs d'hommes aussi. Nous sommes des pierres d'aujourd'hui. Nous sommes des pierres d'aujourd'hui. C'est nous les chrétiens qui devons continuer les actes des apôtres. Ça ne s'arrête pas. Nous devons continuer les actes des apôtres. Alors aujourd'hui, Dieu te demande, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour continuer l'acte des apôtres? Nous avons vu hier, il y a eu baptême.
Ce sont les gens qui ont pris la décision. Ils ont pris la décision de continuer les actes des apôtres. Parce que quand Dieu t'appelle dans sa maison, quand Dieu te délivre, il ne te délivre pas pour que tu rentres dans ta maison, rester au repos comme le roi David a commis la bêtise de rester dans le repos. Et dans le repos, en restant dans le repos, on tombe dans la défaillance. En restant dans le repos, on est dans la distraction. Imaginez-vous ce que peut nous apporter la distraction. Un seul instant en dehors de notre Dieu, nous sommes morts. Imaginez-vous dans la distraction, les enfants d'Israël ont oublié qu'ils avaient un Dieu puissant qui les conduisait, qui était avec eux, qui les a rachetés de l'Égypte. Ils ont adoré les veaux d'or. Ça, c'est dans la distraction. Dans la distraction, on adore les veaux d'or. Dans la distraction, on regarde, on privilégie à nos pensées. On privilégie nos intérêts plus que les intérêts de Dieu. Et quand nous regardons à nos intérêts, c'est à ce moment-là que nous allons dans la perdition. Quand tu regardes à tes intérêts, tu penses de façon physique, de façon charnelle, tu vas regarder, compter sur un homme au lieu de compter sur Dieu. Et en comptant sur les hommes, nous nous trompons souvent. Parce que ce n'est pas l'homme en qui tu as placé la confiance qui va faire ce que tu as besoin. Il va faire exactement ce dont tu as besoin. Ce n'est pas cet homme-là vraiment qui va t'enlever. Tu es dans la misère, ce n'est pas l'homme qui va t'enlever de la misère. Ce n'est pas l'homme qui va te délivrer. Ce n'est pas l'homme. Combien de fois on a vu même tes propres parents, on parle des parents qui offrent leurs enfants pour la magie, dans les engagements, dans des alliances de toutes sortes, et pourtant c'est son enfant, son propre enfant. Mais pour ses intérêts, quand il a des intérêts qu'il vise, il oublie que cet enfant-là est son enfant, de même que les enfants aussi. Quand il Les pasteurs ne cessent de parler ici. Les jeunes filles, les jeunes garçons, quand il a trouvé une jeune fille, quand il a trouvé un jeune garçon, il oublie l'amour inconditionnel qu'il a eu de ses parents. Il dit autre chose. Mais notre Dieu, quand nous plaçons notre confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. C'est pourquoi notre foi ne doit pas défaillir. Notre foi ne peut pas faire naufrage quand nous regardons à Dieu. Nous sommes dans le mois de la foi. J'ai pris quelques exemples pour vous montrer que quand on place la foi en Dieu, on n'est jamais déçu. Quand on place sa foi en Dieu, on est toujours gagnant. On est toujours vainqueur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de relèvement. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Le relèvement peut dire, tu étais tombé, il te relève. Le relèvement peut être, tu étais dénigré, c'est lui qui vient te donner la vraie valeur comme il a donné à cette femme samaritaine. Amen. Amen. Tu es là, tu n'as pas d'amis, tu es là, tu n'as pas de frères. Mais Dieu, quand il vient, il te relève. Quel que soit ce qui était déjà décidé dans ta famille, dans la justice, il est le Dieu qui relève. Nous allons voir, j'ai pris le cas de Mardoché. Ben, tu peux nous lire dans Esther au chapitre 6. Mokanda Estela Mokapo na Motoba. À partir de verset 6. Nzela ya Sambo. Aman entra et l'empereur lui demanda. On se lève pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît.
Aman entra et l'empereur lui demanda, « Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» En son fort intérieur, Aman se dit, « Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi ?» Il répondit donc à l'empereur, « Pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui. Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. » Alors l'empereur dit à Aman, « Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché, qui exerce des fonctions au palais. N'omets rien de tout ce que tu as proposé. » Aman alla chercher le manteau et le cheval. Il revêtit Mardoché du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui. Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Ensuite, tandis que Mardoché retournait à ses fonctions au palais impérial, Aman rentra précipitamment chez lui, comme en deuil, et en se couvrant le visage. Il raconta à Zérès, sa femme, et à tous ses amis ce que venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent, « Si ce Mardoché devant qui tu as commencé à être humilié est juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. » Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui, quand survirent les envoyés de l'empereur venus faire presser Aman de se rendre au festin préparé par Esther. Amen. 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 Voyez l'histoire de Mardoché, c'est une histoire que nous connaissons tous. Dans les livres d'Esther. Mardoché, c'était l'oncle de Esther. Il avait amené Esther dans le palais du roi. Il lui avait interdit de dire son origine. De dévoiler son origine, de dire qui il était. Mais voilà que Esther a grandi dans le palais royal. Esther était devenue la femme du roi. Mais Mardoché, l'histoire que nous avons, si j'ai pris cette histoire, c'est pour dire que avec Dieu, nous sommes toujours vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Notre Dieu, c'est un Dieu qui renverse les situations. Il faut avoir confiance en lui. Il faut avoir la foi en Dieu. Et quelle que soit ta situation, quand tu espères, on sait que le temps peut passer. Les années peuvent passer. Mais quelles que soient les années passées, quand Dieu s'élève, quand il te localise, c'est toi qui es vainqueur. On peut avoir décidé, on peut avoir lié, mais lui, il délie tout ce que les hommes lient. Ce que vous liez avec Dieu sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur cette terre sera délié. Parce que c'est lui qui a le dernier mot sur nous. C'est lui qui a le dernier mot dans notre vie. Voilà que ici le décret était déjà signé. Le premier ministre avait déjà signé. Premier ministre ça a bêta qui mokolokoto pour na kufa. La mort des Juifs. Na kufa ya moyuda. Parce que Mardoché quand il passait. Mardoché tanga zoleka. Quand Aman passait, Mardoché disait, Mardoché ne se mettait pas à genoux parce que Aman était à la cour du roi. Aman était tout ça. Mais alors Aman avait déjà décidé la mort. On lui a demandé, dans son orgueil, il a dit, celui qui est des rois peut honorer, c'est personne d'autre que moi. Parce que c'est moi qui suis à la cour du roi, c'est moi qui suis proche du roi, c'est moi qui suis premier. Alors, si on veut honorer, c'est moi sans doute. Voilà combien il a décrit comment on doit honorer. Parce que c'était ses propres intérêts. Voilà comment il a décrit
Ce qu'on peut faire pour celui qui avait sauvé le roi. Ne sachant pas que celui qui a sauvé le roi, c'est celui qui le méprise là à la porte. Alors il a dit, on doit prendre un vêtement, on doit prendre le cheval, et quelqu'un doit être devant lui en train de crier, voilà celui que le roi honore. En le disant, il était tout content parce que on allait traiter ainsi Mardoché. Mais voilà notre Dieu qui a les derniers mots. Quand il s'élève dans ta vie, tout sera renversé. Quand il s'élève dans ta vie, ce que l'ennemi avait pensé être ton sort, ça devient le sort de l'ennemi. Celui qui avait pensé que tu vas mourir, celui qui va mourir à ta place. Parce qu'il nous dit, celui qui creuse les pièges, lui-même, il y tombe. Voilà que Dieu dit, que le roi dit à Mardoché, au verset 10 là, il dit à Mardoché, prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit. Ce n'est pas le roi qui avait décidé. C'est Mardoché qui avait décidé. C'est Aman qui avait décidé ça. Il avait donné la description de celui qui doit des honneurs qu'on doit offrir à celui qui avait sauvé le roi. Et ne sachant pas que celui qui avait sauvé le roi, c'est Mardoché. Tel que vous êtes là, qui sauve? Vous êtes là, nous sommes tous des chargés de mission. Vous et moi, nous sommes des chargés de mission. Dieu nous envoie pour chercher les brebis égarées. Dieu nous envoie pour chercher les brebis qui sont en dehors de la bergerie. Et alors, quand on fait la fête au ciel, on dit dans le ciel, il y a la fête pour une seule personne qui s'est convertie. Et quand on fera la fête au ciel, mes frères et sœurs, sachez que le travail que tu auras fait ne sera pas sera récompensé. Dieu n'oublie pas ce que tu auras fait pour les brebis que tu auras ramenées dans la bergerie, pour les gens égarés que tu auras ramenés, pour les malades pour qui tu aurais prié. Si tu marches tout ça en marchant de façon irréprochable, voilà que Aman qui croyait qu'on va faire des honneurs pour lui. Il croyait que Mardoché pourra marcher comme ça devant lui. Il s'est vu la situation renversée. La situation a été renversée parce que Mardoché, sa confiance n'était pas dans l'homme, sa confiance était en Dieu. Sa foi était placée en Dieu. Ma soeur, si tu places, mon frère, tu places ta confiance en Dieu, tu ne seras jamais déçu. On dira de toi, personne ne pourra te renverser. Regarde la femme de Mardoché et tous ses proches, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mardoché, devant qui tu as commencé à tomber là, s'il est de la race des Juifs, tu tomberas encore. Amen. Amen. S'il est de la race des Juifs, tu tomberas encore. Ma sœur, si tu as ta confiance en Dieu, si tu as placé ta foi en Dieu, quel que soit ce qu'on t'a fait, quel que soit ce qu'on est en train de faire, un jour, ce qu'ils font, la situation va se renverser. Ce matin, mets dans ta tête que tu es délivré. Mets-toi en tête que ta foi en Dieu te mettra au-dessus de tes ennemis. Ta foi en Dieu renversera la situation de tes adversaires. Ce matin, je te dis que si tu as placé ta foi en Dieu, ceux qui t'ont poursuivi, ils échoueront dans leur projet. Si c'est de ta famille, on avait dit, Okobalate, tu n'auras pas de mariage, tu n'auras jamais de promotion. Tu auras la promotion et ils seront étonnés. Ici, notre pasteur nous dit toujours, il nous disait toujours et il continue à dire, il a dit, la foi est rien que la foi. Il nous disait, toi tu as les doutes. Moi je te montre mes œuvres de la foi. Mais toi avec les doutes, qu'est-ce que tu as? Il nous disait toujours, moi ce que je suis ici c'est la foi. Je suis bougie. Je me nourris seulement. Maya bougie, c'est ça. Donc,
Il nous a dit, moi, je suis marié par la foi. J'ai mes enfants par la foi. Et ce premier et les deux, j'y ai. Le premier et le 2 il juillet, nous a montré. Atalisibiso. Il nous a montré. Atalisibiso. Il nous a dit toujours, Dieu lui avait dit, Abinza, il le fera marcher, Akutambu, il l'amènera dans les cours des grands. Akumbeme, bisaka, batua, mine, le premier et les deux, qui n'a pas vécu? Nous avons tous vécu. C'est pourquoi j'ai dit, mes frères et mes sœurs, gardons la foi. Notre Dieu fera ce qu'il a promis dans nos vies. Notre Dieu ne nous abandonnera pas. Dans le nom puissant de Jésus, relevons notre foi. Regardons notre foi. Regardons à notre Dieu. Ici, c'était l'Ancien Testament. J'ai pris encore un cas dans le Nouveau Testament. Ben, tu peux encore nous lire. Jean 5. À partir du premier verset. Molongo ya liboso. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine, entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotes. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?»« Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Amen. 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 Ici, c'est une histoire que nous connaissons aussi. Ah, ça, l'histoire, tu es bien malam. Naliziba, enfin. À la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de malades, et tout le quoi, babé, les des aveugles, des paralytiques, des gens de toutes sortes étaient là. Et chaque fois que l'eau était agitée, dans l'ange venait. Quand on parle toujours de l'ange, sache qu'on parle de Dieu lui-même. On a dit l'ange de l'Éternel venait. Et chaque fois que l'eau était agitée, celui qui s'est lancé dans l'eau le premier, il était guéri, quelle que soit sa maladie. Donc les maladies incurables n'existaient pas. Dès que l'ange de l'Éternel était là, c'est pour vous dire, dès que Dieu entre dans ton problème, il n'y a pas d'impossible devant lui. Il n'y a pas une chose étonnante de la part de notre Dieu. Et alors cet homme est resté là 38 ans. Pour savoir la toute puissance de notre Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort à 33 ans. Mais cet homme était à la piscine depuis 38 ans. 38 ans, c'est le temps de sa maladie. C'est la durée de sa maladie. Mais avant qu'il n'arrive là, il avait déjà quel âge? Il est arrivé à quel âge? Parce que la maladie a duré 38 ans. Mais quand Jésus est arrivé, tout s'est résolu en un instant. C'est pour dire la foi. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta foi. Mets ta foi dans le Seigneur. Rien ne sera impossible à toi. Mets ta foi dans le Seigneur. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Il lui a dit au verset 8, c'est ce qui nous intéresse le plus, il a dit, lève-toi, prends ton lit, et marche. Abraham, il a dit, marche de manière irréprochable. À celui-ci, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, marcher là, c'est avec assurance. Parce que toi, tu es venu, on ne sait pas qui l'avait amené là-bas pour le déposer. Il était par terre. Il ne pouvait pas s'élever, ne pouvait pas marcher. Chaque fois que l'eau était agitée, les autres avaient leurs frères, les autres avaient leurs amis, les autres avaient des parents. Mais lui, il était là.
Cet homme-là n'avait pas de famille. Parce que il n'est pas Melchisedec, cet homme. Il était né dans une famille. Il devait avoir des frères. Il devait avoir des sœurs. Mais il devait avoir aussi des amis. Mais peut-être que les amis l'ont abandonné à cause de cet état-là. Parce que un ami vient aujourd'hui, il vient demain. Il faut vraiment qu'il soit un véritable ami. Et le véritable ami, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, nous n'avons pas d'ami qui peut rester à côté de toi 38 ans. Regarde même ceux qui ont des parents. Fais avoir ses parents, mais après il va dire, mais ma maman est très malade depuis longtemps. Mon père est malade depuis longtemps. Moi, je dois travailler. Moi, je dois mener ma vie. Il va chercher les relais. Mais Jésus ne cherche jamais les relais pour nous. Mes frères et sœurs, attachons-nous à lui. Attachons-nous à Dieu. Il est venu lui dire, lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi. Quand tu as la foi, on te dit lève-toi. Tu ne vas pas commencer. Tu vois, il est venu lui demander ce qu'il voulait. Et lui a commencé à donner des explications. Je suis là depuis longtemps. Je suis là depuis longtemps. Je n'ai personne. Mais oubliant que la personne véritable, c'est cette personne qui était devant lui. Donc, c'est Dieu qui est la personne véritable. C'est Dieu qui peut faire tout ce que l'homme ne peut pas faire. Là où l'homme est limité, Dieu commence. Là où l'homme est affaibli, Dieu a la force. La toute puissance de Dieu. Nous voyons la toute puissance de Dieu. Dès qu'il dit est mort, cet homme, les jambes se raffermissent. Il s'élève. Il lui dit, prends ton lit et marche. Et il prend son lit. Il n'a pas contesté. Avant, il a commencé à raconter beaucoup de choses. C'est ce que nous faisons. Viens au Seigneur Jésus, tu seras guéri. Viens au Seigneur Jésus, tu seras guéri, toi et ta famille. Oh, je vois longtemps. Ceux qui vont là-bas, ceux qui vont dans cette église-là, ceux qui étaient là depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils ont déjà eu? Parfois, on te regarde, on te dit, mais toi qui es toujours là à suivre Jésus, qu'est-ce que tu as? Mais ils oublient que la vie que tu as, les souffles de vie que tu as, c'est très important que de l'argent. C'est très important que des millions. C'est vrai qu'on peut avoir besoin d'argent pour résoudre un problème. Mais si tu n'as pas la vie, notre jeune vient de dire ici, il travaille maintenant à l'hôpital. Ben, la vie à l'hôpital, il fait le tour maintenant à l'hôpital. Il a regardé combien les gens sont pauvres. Les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas le souffle de vie. Les pauvres sont ceux qui sont alités, ils ne savent pas marcher. Les pauvres sont ceux qui sont... ils sont là, ils ont beaucoup d'argent dans les comptes en banque. Mais c'est quelqu'un d'autre qui décide de leur bien. On dit l'administrateur de bien. Quand tu as cherché les biens là, tu n'avais personne. C'est toi qui as souffert pour en avoir. Maintenant, c'est l'autre qui administre tes biens. Où est la force? Où est la vie? La vie, c'est en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ayons la foi. Cet homme s'est levé. Cet homme a marché. Quel que soit le nombre d'années que tu as souffert de maladie, quel que soit le nombre d'années que tu as été humilié, quand l'homme de Galilée s'élève, quand il donne la valeur, c'est inégalable. Personne ne peut. Personne ne peut contredire ce qu'il dit. Personne ne peut t'enlever ce que lui te donne. Il a donné la vie à cet homme. Et alors, cet homme a marché. Les exemples sont nombreux. Des cas où, quand lui-même se présente, il faut qu'il te localise. Quand il se présente, quand il s'élève dans ta vie, l'atmosphère change. Quand il s'élève dans ta vie, personne ne peut encore en disconvenir. Quand il s'élève dans ta vie, rien ne peut te manquer. C'est pourquoi nous disons, cette année, c'est l'année du bon berger. Ma soeur, attache-toi à Dieu. Tu jouiras du bonheur. Ma soeur, attache-toi à Dieu. Mon frère, regarde à Dieu. Tu ne manqueras de rien. Ayez la foi et rien que la foi. Ne sois pas, ne t'abandonne pas au conformisme. La convoitise des yeux. Les siècles présents
C'est on a dit, on a fait, on a fait. Tu viens à l'église, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Tu feras autant d'années que tu pourras faire. Les hommes parleront. Les hommes diront, mais attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Attache-toi à Dieu, tu jouiras du bonheur. Amen. 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 Les hommes sont ceux qui parlent. Tu vois, cet homme, quand il était là, ils étaient contents. Les autres disaient, mais depuis longtemps là, pourquoi il ne meurt même pas? Depuis qu'il attend, est-ce qu'il croit qu'il va guérir? Mais quand on l'a vu guérir, le discours a changé. On commence à lui dire, pourquoi tu transportes les lits aujourd'hui? C'est le jour de sabbat. Oubliant que le maître de sabbat, c'est celui qui a ordonné. Quand le maître de sabbat ordonne dans ta vie, ma chère, mon frère, ma soeur, tu n'as que la joie. Tu n'as que la joie. Et sache que la joie du Seigneur, c'est notre force. Parce que le Seigneur avait la joie. Il voulait sauver sa brebis. Il voulait sauver son enfant. C'est ainsi que cet homme a retrouvé la force. Ce matin, cet après-midi, dis-toi que tu as la force parce que tu as cru dans les puissants de Jacob. Amen. 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 Le Tout-Puissant est dans ta vie ce soir. Le Tout-Puissant est avec toi aujourd'hui. Lève-toi et déclare que tu as la force. Lève-toi et déclare ce que tu veux qu'il fasse pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Pour cet homme, il était là, n'avait personne. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas nécessité qu'il entre encore dans l'eau. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, Dieu est là. Il est là avec toi. Lève-toi et déclare. Tu peux nous chanter. Emmanuel est là. Emmanuel est avec toi aujourd'hui. Emmanuel est là maintenant. Tu te lèves, tu te lèves. On a dit, il s'élèvera un jour. Il s'élèvera. Il interviendra dans ton cas. Oh, aujourd'hui, lève-toi et adore Emmanuel. Dites, l'Emmanuel est là. Il est dans ta vie. Demande ce que tu veux. Demande et aie la foi. Ne demande pas avec des hésitations. N'ayez pas de doutes. Oh, Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant. Lévenons et prions notre Dieu. La foi, rien que la foi. Tu auras tout par la foi.
Emmanuel est là. Emmanuel est là ici avec nous. Emmanuel est présent. Emmanuel chaque fois que tu entres ici, réalise-toi. Réalise-toi qu'Emmanuel est là et avec toi. Réalise que tu n'es pas seul. Tu es maintenant devant Dieu. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Demande. Aie la foi en lui. Aie la foi en Dieu. Aie la foi qu'Emmanuel est là. Oh Seigneur de gloire, Dieu tout puissant, Seigneur des Seigneurs, mon Dieu. Éternel Dieu, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu es au milieu de nous, éternel Dieu. Seigneur, j'ai prié, Père, à ce que tu puisses encore nous faire du bien, éternel, que tu nous as donné, Seigneur, je crois que tu es au milieu de nous et que tu nous fais du bien, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur. Tu es le seul qui a un mot à dire. Tu es le seul qui peut dire, parce que nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, je crois, Père, que tu es en train de nous faire du bien, Seigneur. Seigneur, même si c'est dans le calme, Seigneur, je crois que tu nous fais encore du bien, éternel Dieu. Seigneur, même si c'est dans le calme, je crois que tu es en train de nous faire du bien, éternel. Seigneur, je crois que tu es encore au milieu de nous et que tu nous fais du bien, Seigneur. Seigneur, je sais que tu es là encore au milieu de nous, Seigneur, et que tu es en train de nous faire du bien, Seigneur. Père, je prie, Père, à ce que tu puisses faire du bien à tout à chacun de nous, Seigneur. Père, je prie à ce que tu puisses encore toucher les cœurs aujourd'hui, Seigneur. Père, je prie, Père, à ce que tu puisses encore nous faire du bien. Seigneur, je prie à ce que tu puisses nous faire du bien. Seigneur, je prie, Père, à ce que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur. Seigneur, je prie, Père, à ce que tu puisses consoler les cœurs brisés. Seigneur, je prie, Père, à ce que tu puisses nous faire du bien. Seigneur, je crois que nous ne sommes pas venus en vain ce jour éternel. Je prie, Père, que nous ne puissions pas sortir comme nous sommes rentrés en ce lieu. Oh, Yeso, c'est toi le restaurateur, Seigneur. C'est toi qui restaure notre santé. C'est toi qui as restauré la santé de cet homme. Seigneur, c'est toi qui nous fais du bien, Jésus. Oh, Dieu, Seigneur et Seigneur, parce que tu es le maître de temps, Seigneur. Mon Dieu, quelle que soit la durée, Dieu éternel, nous savons, Seigneur, Seigneur, je crois, Père, que tu es en train de nous faire du bien, éternel. Nous savons, Seigneur, je prie, Père, à ce que tu puisses encore toucher les cœurs en ce lieu, Seigneur. Parce que toi, tu es le Seigneur, je prie, Père, à ce que tu puisses nous faire du bien, Seigneur. Emmanuel, Seigneur, le Dieu parmi nous, je crois, Père, que tu fais du bien à une personne aujourd'hui. Seigneur, je prie, Père, à ce que tu puisses toucher une personne disposée aujourd'hui. Que tu puisses toucher une personne disposée, Seigneur. Touche une personne disposée, Seigneur Jésus. Touche une personne disposée à pouvoir te recevoir, éternel. Touche une personne disposé à pouvoir te recevoir. Seigneur, je prie, Père, à ce que tu puisses encore nous accorder la force, éternel. Seigneur, je prie, Père, à ce que tu demeures en nous, Seigneur. Seigneur, demeure encore en nous, éternel Dieu. Parce qu'en vérité, dans l'homme, Seigneur, c'est ton esprit, Seigneur. En réalité, dans l'homme, c'est ton esprit, Jésus. Tu es Dieu, tu es le même, Seigneur. Tu n'as pas changé. Nous te prions ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Emmanuel est là. Emmanuel Azawa. Il nous a restauré. Azongi biso asika. Il nous a donné la joie. Nous sommes dans la joie. Tozana esengo. Ici, nous sommes encore dans la joie. Ah, tozana esengo. Parce que sa parole nous dit. Pote malobi, ma commune lobi. Il y a fête dans le ciel. Na lola. Quand il y a un pécheur qui s'est converti. Dans mosumu kia bongwani. Amen. 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 Ici, nous avons nos frères et sœurs, jeunes et mamans, qui ont pris la décision. La fois passée, maman nous a dit, l'aveugle, il était aveugle. Quand Jésus a fait sa solution pour lui faire recouvrer la vie, lui, il était aveugle, il ne voyait pas. Ceux qui voyaient, il pouvait avoir de la nausée. Il pouvait dire que ce n'est pas hygiénique ce qu'il est en train de faire. Mais celui qui le faisait, il était sûr que je donne la solution adéquate au moment opportun. Et l'aveugle a accepté parce qu'il était avec et il ne voyait pas. Et quand tu l'as accepté, ce qui lui est arrivé, ce n'est que du bon. Amen. Donc pour nous, il suffit seulement de prendre la décision. Nous sommes dans la joie qu'il y a nos frères, qu'il y a nos sœurs qui ont accepté de prendre la décision. Et ils ont pris la bonne décision comme Marie avait pris, avait choisi la bonne part. Nous allons appeler nos frères et sœurs qui ont été baptisés hier. Ils ont accepté d'entrer dans